Bon, les amis, en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce bien. J'ai été embauché sur GTRP. Donc voilà, c'est assez carré. Parce que d'habitude, on s'est tout en viré. Là, au moins, ils m'ont embauché. C'est, ça fait zizir, comme on dit. C'est carré, man. Tu vois eux tous là devant? Ouais. Je pense qu'ils attendent pour le recrutement. Ah, tu penses? Vas-y, je suis chaud. Salut les bitches, c'est ici le recrutement. Ouais. Oh, y'a Pardon, Patapouf! monsieur. Oh, Patapouf! De quoi? Patapouf, je t'aime! Ah. Je t'aime, mec. Et vous parlez de quoi, Je suis monsieur? dans ma bulle. Monsieur, vous avez des beaux biscottos, dis donc. Je suis dans ma bulle. Bon, les amis, je serai le meilleur policier du monde. Ok? J'espère aussi. Tu vas surtout faire de la merde. Non, 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 je vais choper les mecs qui ont le coronavirus. On va les suicider en haut d'un ravin. Voilà. Donc cette personne-là, tu vois, j'aimerais bien qu'il se fasse recruter à la Speedy parce qu'il a un bon RP, que ce soit à keuf ou dans tout le tralala. Ok, bah très bien, on va voir ça. Du coup, c'était pour savoir si tu pouvais commencer les recrutements avec lui. Il va t'expliquer comment il s'appelle, d'où il vient, Ok, tout bah ça. ce que je propose, c'est que vous asseyez et on va vous faire passer en premier et on fera passer les autres ensuite. Ça marche. Voilà, pas Donc, de problème. collègue, va t'asseoir ici et Ouais, après, c'est vous aussi. il t'appelle quand tu es dans son bureau. Ça Ouais, marche. j'attends le collègue et on va commencer. Merci. Ça va, messieurs? Messieurs, je suis le vigile, calmez-vous s'il vous plaît. Bon, monsieur le chauve, Oui, pas de veuillez, bras. veuillez circuler, monsieur le chauve, vous rentrez pas. Vas-y, toi, circule. Toi aussi, circule Circulez, avec ta monsieur, moustache, vous là. pouvez Va pas. circuler avec ta moustache. Ah, il y a un autre chauve en plus, ok, les deux chauves, vous rentrez pas, ça c'est. Bah, Là, j'ai circule, un le entretien vigile, à s'il 17h. te plaît, circule, hein. Hey, Circulez, t'as vu le monsieur, nombre de poils là, il qui y en a passent sur assez, le là, caillou, t'es circulez, hein. pratiquement chauve. Allô? Monsieur, en plus avec vos lunettes en mode Pascal OP, je sais pas quoi, boucaqué là, vous rentrez pas. Monsieur Al Capote, circulez, monsieur monsieur Al Capote le là, vigile, vous êtes son cousin, on a je sais rien à pas, foutre de vous. J'ai un vous rentrez pas. entretien, à 17h. Allez, allez, on se bouge Non, non, là. non, c'est fermé pour l'instant là. Ah, ouais, moi j'ai un pour l'instant. entretien, j'ai un entretien. Rendez pas fou là. Monsieur, j'ai un entretien monsieur aussi. Al Capote, votre entretien est annulé, hein. Veuillez circuler. Non, 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 y a pas d'entretien annulé, c'est pas vous qui décidez. Bah si, ah, en fait, parce moi, que. moi je dois voir Non, la je pense police. pas. Moi je dois voir Décalez, la vous police, ça veut l'explique. dire quoi, ça vous fermez les Vous l'explique, portes aux citoyens? le commissariat, c'est mon oncle, le commissaire. C'est pas mon Donc, problème. Et donc alors, mais il m'a pourquoi dit. vous fermez les portes? Pourquoi vous fermez les portes Il aux m'a dit c'est citoyens? annulé, monsieur. 32. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît, monsieur? 32. Non. Pourquoi? Monsieur. Et Mais toi, ta moustache d'Hitler là, tais-toi. Bon monsieur, là. Vous allez prendre un procès, faites attention. Tu parles à Bon, qui? au revoir. Bah monsieur qui m'a dit Hitler là, je sais pas quoi. Ah ok, bah pour toi tu me regardes moi, Le pire pourquoi c'est qu'il descendre sait moi, pas je qui t'ai rien c'est, dit c'est ça le pire. Déjà, je suis juif, donc voilà, respectez-moi un peu quand même. Et voilà. Ah ouais. Ah bah je passe, ah, pardon. 17h25. Zor, il faut pas la merde hein, parce que je te connais. Moi? Ouais. Comment ça fout la merde? Comment ça? C'est un bon gars, t'inquiète pas. Non, prénom, s'il te plaît, du coup. Monsieur James White. Ok, tu es en ville depuis combien de temps? Depuis 2 ans. J'ai un appartement en centre-ville. Ok, parfait, parfait. T'as déjà de l'expérience ou pas? Ouais, un peu. J'ai été garde du corps d'une personne assez riche. Plusieurs mois. Donc, Ok. voilà. Est-ce que tu nous as envoyé un CV? Alors oui, normalement, sur votre boîte mail. Alors je vais taper ça. Alors, je vous ai pas, attendez. Ça remonte à quelques temps que vous Peut-être avez ça allait dans les spams. Pourquoi j'ai plus de main, frère? Non, malheureusement, il a oublié chez lui en fait le CV, j'ai oublié de Ah. préciser. Ah, ça c'est possible. Ouais. Bon, c'est possible, mais je l'avais écrit quand même, mais voilà. Pas de problème, attendez, juste régler un truc sur dans ma radio là. Allez, on va se faire recruter, les gars, on espère. Alors, dites-moi vos motivations, s'il vous plaît. Bah en fait, j'ai envie de rétablir l'ordre et la justice dans ce monde qui est assez malhonnête et cruel. Et voilà, je pense qu'il faut des personnes comme moi pour voilà pour rétablir la justice. Dans le monde ou dans la ville? Bah la ville en fait, surtout dans cette ville. Ouais, ok. Ok, donc est-ce que vous connaissez des codes radio? Des codes radio? Des codes, par exemple 10K, 10-5, Bah je connais Tango Charlie. Et c'est tout. Vous connaissez pas les avec les chiffres? Non mais je peux apprendre rapidement, c'est pas un souci ça. Ouais, c'est un souci, c'est vrai. Droit Miranda, est-ce que vous connaissez les droits Miranda? Qui ça? Les droits Miranda. Ah ouais.
C'est quoi? Je connais. C'est quoi? C'est quoi? C'est bah c'est des droits. Des droits. Des droits. Des droits Miranda. Ouais. C'est quoi justement le droit Miranda? Il me semble que j'ai vous oublié. Vous savez mais... quand on dit au début de chaque interpellation. Vous avez le droit de garder le silence. Ah oui. Le truc qu'on dit dans la voiture. Oui, vous avez le droit à un avocat. Sur place, oui. Dans la voiture, ouais, on dit c'est ça. Ça. Oui, ça, c'est bien, évidemment. Vous sauriez me le réciter ou... Bah, en fait, j'ai ma manière de le dire, mais... Allez-y. Donc, messieurs, vous avez le droit à un avocat. Et selon les lois de Los Santos, vous êtes interpellé. Voilà. Pourquoi vous vous moquez, messieurs? Non, je me moque pas de vous, monsieur. Je vous avais mais vu. Voilà, j'ai vu un fantôme passer. Oh putain. Ah ouais? Ça m'arrive. Je vois des choses que personne d'autre. Mais vous inquiétez pas. Quand... Mais non, mais je suis sûr qu'il le connaît bien. Je sais m'y faire. Hein. Ouais, bah je pense. J'ai connu des voyous et tout, vous inquiétez pas. Vous êtes pas un voyou, vous, par exemple? Regarde dans les boîtes. Non. Regarde dans les boîtes. Ah, parce que nous, on a peur des voyous ici. Hein. Avez-vous le permis de conduire, s'il vous plaît? Exactement, j'ai le permis ouais, pour les voitures manuelles et automatiques. Du coup, est-ce que vous avez aussi le PPA s'il vous plaît? Ah, le permis port d'armes. Ouais. Bon, en fait, j'avais pas les sous pour l'acheter. Ah, ah bon, du coup, si. Mais j'ai un couteau quand même. Ça peut être vous utile. Avez quand même un couteau alors que vous avez pas de permis de port d'armes. Non, mais genre un couteau. Mais vous méritez une amende un... et ouais, de non, prison. Non, un couteau à pain et tout. Électrique. Mais on sait jamais si en brouille ça peut servir. Pour des commandants qui rigolent pendant un truc. Hein. Non, mais. Et j'ai une petite question en moi. Et si par exemple, vous n'êtes pas en service, vous êtes au parking central, vous sympathisez avec un membre d'un gang. Et ce membre d'un gang, il dit ouais, est-ce que toi t'as l'accès aux armes, t'es un policier tu peux pas m'en sortir, s'il te plaît, je te paye, nanani, nanana. Est-ce que vous, pour l'argent, vous serez prêt à trahir l'SPD? Bah, évidemment. Monsieur, vous êtes sérieux là? Non, je rigole. Bien sûr que non, je vais pas lui, donner d'armes, même si il me l'achète. C'est de la parole, mais situation véridique. Non, mais bah, évidemment que je vais pas lui donner des armes, même s'il me paye. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Je suis pas une personne corrompue, voyons. J'ai des valeurs, monsieur, moi je suis un homme. Une petite question au niveau physique. Vos mains, elles sont passées où? Ah, bah ça, je me pose la question aussi depuis avant, en fait. Genre. Vous avez vu le monsieur qui a là? J'ai un peu froid aux mains, je crois, en fait. C'est pour ça que j'ai des rentrées dans le truc, dans le pull. Sortez-les alors. Demandez si je peux vous aider pour ça. Vous m'entendez monsieur? C'est dans les bras, voilà. Ah c'est bon, j'ai... Demandez c'est apparu. C'est bon, il est sorti. Ah okay. Oui, bah perfecto alors. Hop. Ah ouais, ça... What the fuck, frère? C'est qui, c'est Xéo? C'est une perle. C'est pas moi, je peux pas tuer les gens. Bon, ça arrive, écoutez, c'est un petit malaise. C'est rien. C'est le stress, on va dire. Stress, bon, donc monsieur, on est bien d'accord. On peut vous faire confiance, vous connaissez exactement. Les règles. Vous êtes actif, vous serez souvent là avec nous. C'est ça. Bon, ben, on a la décision. Bah, la décision, c'est que... Bien évidemment, il vendra bien des armes. Donc. Ouais, ben ça, c'est ça, vous pouvez en être sûr. Hein. Donc, je veux pas dire un truc, hein, mais moi, chez la LSPG, plus de couteau électrique, plus de couteau là, j'ai plus ça moi. Parce que c'est plus de coups bas en mode, tu vois, tu restes ouais. Clean, tu fais plus de trucs bizarres. Si vous voulez, oui, faut plutôt rester avec ses collègues, surtout quand vous êtes seul le matin, parce que il y a des fois nos collègues sont un peu en retard, ils arrivent du. Voilà quoi. Et l'idéal, c'est que quand tu vois des suspects devant toi, tu essaies de gagner du temps pour essayer de t'appeler des collègues. Et après, bah, tes collègues vont faire le nécessaire pour les neutraliser. Ça marche. Exactement. Je fais jamais rien tout seul. Bon, bah, ma décision. Bah, écoute, bah, je te prends. Ah, merci beaucoup, monsieur. J'ai été cadé. Bon, moi, je peux pas te mettre le grade parce que je suis un handicapé. Et il faut que j'attende le commandant. Voilà. Donc, ok, bah, merci. Hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien joué, mec.
Fifou, alors, à toi. Et au niveau du salaire, c'est bien payé, Oh putain de merde. Ouais, bah, pour l'instant, on a pas trop d'argent dans l'entreprise, tu vois. Pour l'instant, l'entreprise, elle est en faillite, mais vous inquiétez pas, quand je vais avoir, si vous voyez, ma plaque de commandant, je vais un peu mettre de l'argent de mes économies dans l'entreprise. On va dire, je suis bénévole un peu pour l'instant. Voilà, vous êtes bénévole. Bénévole, c'est ça. Bref, donc parfait, monsieur. C'est nickel. Donc là, on attendait juste que le commandant arrive pour qu'il vous ajoute à la radio et puis. Ok, super. On est embauché, man. C'est carré, man. Du coup, vous m'avez dit, vous voulez un matricule. Ça ressemble à quoi le matricule? C'est votre nom. Enfin, par exemple, moi je suis 19. Donc, vous avez tous les chiffres. 0102. Tu peux avoir 666. Ah non, ça va jusqu'à 99. De 01 à 99. Ok, bah je vais prendre 99, voilà. C'est pas mal. Vous voulez 99? Oui. Très bien. Allez, Zibé, vous pouvez prendre votre service. Et ouais, c'est où les tenues, man? C'est bien, mais mes tenues, bro. Ah, y a Gray et tout, man, ils ont des donuts. Attends, j'ai pas les clés du bordel. Là. J'ai pas les clés là où je sais pas quoi, F5. Ah, j'ai de la weed. Ah, c'est pas carré, ça. Ma tenue de cadet, je la prends où? Monsieur, vous avez été accepté? Ouais. Vous êtes en radio? Non, pas encore. Je suis revenu. Patientez, ils vont descendre et on va s'occuper de vous. Ça va arriver. Et vous êtes embauché aussi, vous? Ah non, moi je vais. Je vais vendre de la drogue. Ah ouais, vous avez pas un peu de gueudreau pour moi là? Faut passer au quartier. Monsieur le commandant, excusez-moi, il y a ce monsieur qui vend de la drogue. Pourquoi vous mentez? Attendez. Fouillez-moi, j'ai rien sur moi. Attendez, donnez-moi votre adresse, j'irai jeter un œil avec mes collègues. Ah, je peux pas. Oh, Koba l'a dépeint normalement là. Monsieur Koba, on va vous attraper, vous inquiétez pas. Comment tu vas faire? Là, je veux ma tenue là. Monsieur, regardez, il y a une tenue de flic et moi j'en ai pas. Putain. Ouais, moi non plus je l'ai pas. J'ai toujours pas de grade. Moi je veux une voiture de flic et tout. Hein. Pourquoi vous, monsieur, vous êtes policier? Ouais, je suis cadet en fait, mais j'ai. Voilà. Mais non, mais oui, on était ensemble. Moi aussi, ils m'ont recruté. Mais là, j'ai l'impression qu'on me pisse dessus en fait. Ouais, c'est ça qui est bien, mec. Je crois que c'est un peu ça, là. Quel est votre problème? Ça fait plaisir, hein. Monsieur, me fait une tenue de policier en fait. Voilà. Vous avez été recruté? Oui, on a été recruté. Et votre problème, c'est? Bah, il me faut une tenue de flic en fait. Enfin, je sais pas, un grade et tout, là. Vous avez pas été gradé? Bah, non, en fait. Enfin, genre. Non? Attendez, s'il vous plaît. Savez, monsieur, en fait, vous, pourquoi vous avez un gilet orange? Parce que je suis cadet, monsieur. Ah, c'est ça la tenue de cadet? Hein. Ah, c'est un peu éclaté, mais bon, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur, nous n'avons pas eu nos monsieur, il nous faut nos tenues là, en fait. Nos tenues, ouais, en tant que cadet. Moi, faut vite qu'il y ait Interbell des dealers là, en fait. J'ai pas le temps, en fait. T'as été pris ou quoi? Non, j'ai pas été pris. Chez. Non, monsieur, montrez-moi vos papiers parce que je suis cadet en fait. Je m'en bats les couilles d'être cadet ou pas. Ouvre. Non, mais moi je suis cadet donc je suis keuf en fait. D'accord, t'es keuf. Vas-y, ouvre. Alors, t'es keuf. Bah, j'ai pas les clés en fait, monsieur. Bah, ouvre. Bah, je peux pas, monsieur. Mon supérieur est ouvre. En fait, mon supérieur il est chez vous, je crois, derrière dans la porte. Là. Ouais, bah tu vas l'appeler là, ta radio, bah, et tu vas te dire qu'il je peux pas, monsieur, j'ai pas de radio. Eh, ouvrez-moi la cadet là. Si vous voulez, je suis un cadet, mais on m'a pissé dessus en fait. C'est pour ça mon chapeau il est jaune. Deux secondes, sortez, laissez-moi passer s'il vous plaît. Vas-y, laissez-moi passer. Monsieur le général. Oh, monsieur le général, s'il vous plaît. Payez mon cadet, monsieur. Excusez-moi. Pour les tenues, monsieur. Vous suivez-moi là, s'il vous plaît. Suivez-moi. Je vous follow, monsieur. Follow-moi. Là, ici pour les tenues. On est 45, gros. Monsieur, j'ai pas eu ma plaque. Ouais, moi non plus. J'ai eu ma plaque. Venez là, c'est les deux qui ont payé leur plaque. C'est carré, monsieur. Et je peux prendre un véhicule de service ou pas? Attendez, on va faire un dispatch. Je veux tout le monde sur le parking privé, le parking qui est à côté du commissariat, s'il vous plaît. Attendez, le parking c'est là-bas. Attendez. On peut passer par l'arrière, non? Ah, y'a un braquage, les gars. Y'a un braquage en cours. Oh, on y va, vite! Oh, braquage! Allez! Dans le... Monsieur, vite, il me faut une voiture. Putain, je vais enfin prendre une voiture de keuf sans me faire kick. Sortez pas! Ah, monsieur, y'a un braquage. Montez dans ce véhicule, y'a personne qui sort des véhicules, sinon je vire.
De quoi, dans celui-là, là? Oh, y'a aucun cadet qui part tout seul, il faut absolument au gradé. Vas-y, monte là, et cadet, monte là aussi. Bon, première opération, les gars. On y va? Ouais, c'est parti. Faut follow le mec, là. Ah oui, ta voiture fonctionne. Comment? Mais pourquoi je tombe avec l'enculé qui a un micro de merde, mec, je vais péter un plomb, frère. C'est stylé, sur la map, on voit où est-ce qu'il est, le keuf. Ah non, c'est là où il y a l'embrouille. Ok, 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 on intercepte. J'ai pas d'arme, frère. Oui. Monsieur, j'ai pas de taser. Derrière les véhicules avec les tasers, on se met à couvert. J'ai aucun taser, en fait. On a pas de taser. J'ai pas mais vous restez derrière les véhicules, vous restez derrière les véhicules. J'ai pas reçu mon taser, en fait. Ouais, les gars, vous restez derrière les véhicules, vous n'avez pas d'arme, en plus. Mais pourquoi on a pas d'arme? Frère, c'est quoi, ça? Le mec, il t'embauche, il te laisse comme ça, là. Excusez-moi, monsieur, là. Vous avez une arme. D'accord. Mais je suis commandant. Ah, ok. Excusez-moi, commandant. Forcément. Par contre, ouais, on a pas reçu le taser. On a rien reçu. Ouais, on va gérer ça là-bas. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner votre taser? J'ai pas d'arme, moi non plus. Ta pouf, t'as une arme. Bah non, mais venez, on y va avec les points à l'ancienne. T'es fou, toi? Allez, on va me faire virer, moi. Ah, tu veux pas te faire virer si t'es RP? Ah, ouais. Bah oui, moi, pas comme toi. Je suis pas. Non, mais en fait, moi, je me fais embaucher aujourd'hui, du coup, t'inquiète. Bon, oh, c'est soit vous. Oh, vous parlez pas. C'est clair ou pas? Vous parlez pas, les gars. Ouais, 17. En fait, on fait quoi? On a pas là, d'armes. Vous m'entendez? Ouais, oui, on a pas d'armes. Normal, vous êtes cadet. On va vous donner tout après. Genre, là, on observe, on 17. Analyse la situation. Ouais, là, vous allez analyser la situation, vous restez devant les véhicules. En cas de rafale, Ok, analyse du périmètre. Alors, on a deux individus armés. Grosse embrouille. Une grosse fusillade. Ok. J'analyse là, c'est carré. Les gars, analysez la situation là. Monsieur, avec votre taser, arrêtez. Faut qu'on analyse. C'est chez qui a un enfant en fait? Bon, au final, on est là, on se branle, frère. Gros. Ara. Ara, Ara, y'a les condés. Frère, on est 50 cadets, je sais pas quoi là, on sert à rien, gros. C'est quoi leur bouille de merde? Wesh, mais pourquoi vous me... Comment se passe la situation, ça va? Démonatez les gars, démonatez là. Là-bas, monsieur le Remes, là-bas. Monsieur le Remes. Oui. Là-bas, venez. Démonote. Attends, je vais t'emmener à mon commandant. Mais tu fais... Ouais, je comprends rien du tout. Attends, okay, on attends mais frérot, je suis du SWAT, t'es sérieux? Ah, d'accord, ok. Là, j'ai cru que t'étais le... Ouais. Ah, vous êtes pas un voleur? Ah, je croyais. Le mec, il arrête à un mec du SWAT, ce trio. Non, c'est ok, c'est pas... Les gars, les cadets, tous ceux comico, vous attendez tout. Regardez les comico. Je pense qu'on se va faire... On va se faire un peu... remettre en place. Bah, on a refait, en fait. On a géré le bail. Ils nous ont dit de rester derrière les véhicules. Ouais, mais tranquille, on a géré, on a fait ça. Ouais. Tu penses là, on va être gradé officier supérieur? Non, rêve pas non plus. Bah si, mec, on a sauvé l'épicerie et tout. Putain, on a rien branlé, frère. Sortez. Allez au commissariat, sortez. Monsieur? Oui. Je crois qu'on a une... Oh, il y a une usurpation d'identité là, il y a la personne qui est partie s'est fait passer pour un flic. Ah ouais? Bah oui, elle nous dit elle est flic et puis au final pas oh, du tout. Oh, c'est dommage, elle s'est enfuie. Quel dommage. Par contre, c'est normal vos gilets? Bah en fait, c'est parce que je suis un gilet orange. Suivez-moi les cadets, vous me suivez les cadets. Ah, c'est bizarre, en France il y a les gilets jaunes et ici il y a les gilets orange. C'est trop bizarre, ouais. Suivez. Pourquoi je cours comme une pédale? T'es maman, je moule du cul là. Je roule non, du cul. C'est pas ici. Revenez. Monsieur, enfin madame, sachez que je suis non-binaire. Non, c'est monsieur. Oui, donc moi, en fait, vous me dites pas il ou elle, vous me dites... Yel. Voilà, parce que je suis non-binaire en fait. Faut pas dire... Ah, pas de soucis. Vous comprenez. Je savais que ça. Ça marche. Attendez, je suis en train de mourir là. Ah, je suis mort de faim en fait. Putain, mais il casse les couilles. Ah, mais c'est carré, je suis à côté. J'ai demandé, je pense, 3 fois à radio d'arrêter de pointer. J'étais en train de négocier. À tout moment, je me prenne une balle. Hein. Heureusement que dans le milieu, on m'appelle Tixi. et que je lui ai mis une grosse sale balle tête. Chose propre. Okay. Chose propre. Chose noble. Vous avez d'être ça, monsieur. Eh ouais. Je pense qu'on va faire une petite patrouille là.
Je pense que je vais prendre deux cadets, je sais pas qui veut venir, je sais pas comme vous voulez. Faudrait que je prenne deux autres cadets, je sais pas. Moi je prends ma fin de service. Au revoir à tous.